Bonjour. Ouverture du vlog, je pars à Chartres à la recherche de ma console. Je vais aller, je pense, à Maison du Monde. Je pense qu'il y a pas mal de magasins d'ameublement. Et le but, c'est que je revienne avec la console de mes rêves qui correspond vraiment. Ah si, j'ai pris les dimensions. Et éventuellement, un petit meuble un peu bibliothèque. J'y vais toute seule. Eric est resté à la maison. J'avoue que je lui ai dit bon, j'y vais parce que c'est son dernier jour de vacances. On est lundi, il reprend demain. Et vu qu'il est déjà 14h, je me dépêche. Pas une rentrée non plus hyper tard. Alors, je vais commencer déjà par Conforama. Bon, il doit y avoir ce qu'il faut hein, en termes de console. Au moins, je vais voir, j'ai des comparatifs de prix. D'ailleurs, vous m'avez sollicité en me disant oh, pourquoi tu fais pas la Redoute AMPM. Alors, j'y suis allée, j'ai regardé. Il n'y avait pas de modèle qui me plaisait vraiment, mais c'est surtout que tu as des consoles à 900 euros. Non, je ne vais pas mettre 900 euros dans une console, ça reste une console. Hein, c'est pas voilà. Et j'aurais pu partir un petit peu plus tôt, mais ce matin. J'ai repris le boulot à 7h30. J'ai super bien avancé, notamment pour tout ce qui est logistique, finalisation de la box qui est actuellement en commande, la box de janvier, celle de février. J'aurais pas été tranquille, il fallait vraiment que je fasse ça. On est parti, il fait plutôt très beau. C'est pas une enseigne où je vais beaucoup. J'arrive direct console. C'est pas ce que j'attends, mais au moins il y en a. J'avoue que j'en recherche une blanche, toute blanche. Ou une grise un peu anthracite. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de musique. Parce que je sais pas trop là, au niveau des droits d'auteur, il me semble que ça a changé sur YouTube. Tu peux maintenant mettre la musique que tu veux, mais comme je suis pas certaine, je préfère pas tester. J'ai peut-être parlé un peu vite, s'il y a de la musique dans certains secteurs. Alors ça, c'est pas une console, mais elle est très jolie. Ça pourrait être sympathique ça, dans un petit coin du salon. En plus, c'est des ventes privées. À voir. Il est possible que je craque sur le petit mic que vous venez de voir quand même. Pour les consoles, il m'a dit que c'était à l'entrée, donc c'est ce qu'on a vu. Donc il n'y avait rien de fou. Celle-ci est quand même jolie, les dimensions correspondent, mais, je sais pas. Le fait qu'il y ait un truc en dessous, moi, ça enlève du charme de la console. Par contre, elle est belle, hein. Elle est très très jolie. Je sais pas, en tout cas, elle est à 209€. 209. Et la dimension, parce que j'en ai une quand même assez grande. J'en ai une petite à 80 cm et là elle est à 130, ouais, ça serait top. Ah, oh, je suis tombée. C'est ce truc, je l'avais pas vu. Oh non, bref, vous voyez, de plus près. Par contre, les tiroirs, c'est quoi là? Ah, ouais, c'est pas mal. C'est des touches. C'est pas mal. Franchement, je pense que j'aurais pu la prendre s'il n'y avait pas eu le bas. C'est idiot, hein, parce que ça se trouve, ça peut rendre bien. Je sais qu'elle est là, je préfère aller voir d'autres magasins. Allez, on va continuer. C'est pas le méga. Moi, je fonctionne au coup de cœur. Et j'ai quand même des doutes. Je vois qu'en fait, il y a des trucs de meubles partout. On va se faire Monsieur Meubles. Je crois que c'est cher, Monsieur Meubles. Il y a marqué 50% vente privée, donc on essaie. Et là, derrière moi, c'est le géant du meuble de Bray. Il n'y a surtout personne. Quelque chose m'a dit que ça va être très très cher. Il y a quelqu'un? Bon, pas de préjugés, Caro. Regarde, avant de dire. Je profite pour me recoiffer vite fait quand même. Pour le moment, je n'ai pas vu de console. Tiens, regarde juste pour le fun. 1055€. D'accord. Je pense que ça va être même délire en face. Je vais aller directement à Maison du Monde. Je vais commencer par 4 murs et juste après, il y a à côté Maison du Monde. C'est parti, 4 murs. Vous voyez, celui-là il est beau, mais pareil, ça correspond pas vraiment à l'ambiance de mon salon. C'est hyper actuel d'alterner en fait les modèles de chaises autour d'une table. C'est la version luminaire de ma petite lampe. Bon, j'ai pas trouvé de modèle. Pas de coup de cœur, donc Maison du Monde. Je le sens bien, je le sens bien. C'est vrai que Maison du Monde, les meubles sont chers aussi. Hein.
et ils sont pas forcément de qualité de fou, mais bon, le design correspond plus quand même. Je crois qu'une dame règle ses comptes au téléphone. Alors, on fait le point. Pas de console à mon goût. Par contre, c'était les ventes privées. J'ai trouvé deux petits éléments. Un coussin et puis autre chose, je vous verrai à la maison, ça valait le coup, 50%. 50% sur un et 30% sur l'autre. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire, Caro, alors? Tu la prends pas, la console que tu avais chez Conforama? Et ben, plus ça va, plus elle me plaît. Et je me dis que ça se trouve, à la construction, tu peux peut-être décider de mettre ou de ne pas mettre ce qu'il y a en bas. Donc je vais retourner, je vais demander. Entre temps, si je vois un autre magasin, j'y vais. Mais voilà ma réflexion. Et je pense que je ne vais pas prendre le petit meuble que je vous ai montré, la petite console bleu canard, vert canard. Non, je pense pas. Obligé, hein. On sait jamais. À la foire fouille, parfois, il y a des meubles sympathiques. C'est au moins pour faire des comparatifs. Ma vidéo va vraiment bien porter son nom. Je vais me faire tous les magasins, là. J'ai trouvé le meuble, un meuble magnifique que je vais prendre. Alors c'est pas une console, mais c'est un meuble que je cherchais également. Trop beau. Je fais un tour pour voir s'il n'y a pas une console. Comme quoi j'ai eu le nez fin. Et vous allez voir, aussi beau que chez Maison du Monde, chez Confo, chez ce que tu veux. Excellent. Bon bah voilà, il est là le petit. Il est très très beau. Hein. Et regardez le prix, 45%. Je pense que ça vaut le coup, tout simplement. Ils sont à deux là, s'occuper de moi. Ils vont me mettre directement dans ma voiture. Ah, ça passe pas, merde. En le mettant de travers peut-être, non? Ouais, ce que je pensais. Non, mais ils sont super sympas. Là. Ils sont en train de regarder une solution pour me le faire livrer et tout. Ils ont été au top, les gars. Ils ont cherché plein de solutions. Bon, ça rentre pas. Quoi que tu fasses, ça ne rentre pas dans la voiture. Ils voulaient même me livrer. Alors, je suis à 50 km. Hein. Me livrer directement. Il y en a, il me dit non, moi je suis en moto. Enfin, c'était cool, mais la solution c'est que ils vont me rappeler, j'ai donné toutes mes coordonnées. Soit ils me livrent vendredi, soit ils le démontent. Enfin, on va trouver une solution dans tous les cas, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas physiquement. Soit on rentre, j'ai un peu faim, je fais des courses pour ce soir, ou du coup j'attends, je ne vais pas prendre la console, je préfère réfléchir. Il est tellement beau ce meuble que je suis prête à attendre quoi. Bon, par contre, après, j'arrête, j'en ai marre. J'y vais parce qu'il y a marqué liquidation totale. Moins 50% sur tout le magasin. On sait jamais. Bon, bah, rien de ouf. Hein. J'aurais demandé pourquoi ils fermaient. Ils m'ont dit pour travaux, on sait pas quand on ferme, on sait pas quand on réouvre. Non. Oh là là. Je vais faire tomber le truc. Je suis rentrée. Quel après-midi. Ça m'a fracassé de faire toutes ces boutiques. J'enlève pas ça parce que je repars, je veux m'acheter une baguette tradie. Je vous montre rapidement. Donc, juste pour faire le point, le monsieur me rappelle, ils ont été top, le monsieur me rappelle pour savoir s'il me livre vendredi ou lundi, selon moi, mes préférences. Je vous montre ce que j'ai trouvé à Maison du Monde. Donc, je vous ai dit 50%. Il est beau. Il va être magnifique à la maison, donc c'est ça, il y avait un point. Il y avait la pastille rouge. Et j'ai trouvé également ceci qui était à, je crois, alors le coussin 50 et ça 30. Trop beau, vous allez voir. T'as dit bonjour à ta mère? La déco va être super belle du salon. Alors, la bougie est encore dans les tons dorés. J'enlève la pastille, j'aime pas. Ah putain, il faut que ça parte bien. Et je vous montre la bougie. Alors ça, on dirait une algue. Très élégante, on est d'accord. L'objet, magnifique. La senteur, je la ferai pas brûler. Je vous dis, quand c'est pas des bougies où je sais c'est de la cire naturelle, ben là, je fais pas. Par contre, c'est une odeur qui est très subtile. À laisser comme ça, donc parfait. Elle est belle, hein. Oh, la déco, sublime. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai achetées. Et c'est tout.
Par contre, je pense que quand j'aurai la petite, la, le petit meuble bibliothèque que j'ai payé, en fonction de ça, je verrai si je le mets là ou là. Je ne bouge pas trop, je ne vous révèle pas. Eh bien, c'est là où je me déciderai à savoir quelle console je prends. Donc, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment trouvé un meuble que j'adore. Donc, je vais arrêter ce petit vlog maintenant. Évidemment, j'ai eu un coup de téléphone pendant la voiture, en fait. Ce qui fait que j'étais un peu perturbée. Ça va changer tous mes plans. Demain, je vais... C'est même pas sûr que je puisse publier cette vidéo. De toute façon, vous, là, vous l'aurez vu, mais il y aura peut-être un jour de décalage. Parce que je dois m'occuper d'un truc important. Ce qui va nécessiter un bon moment de... dans ma journée. Mais il faut le faire. Et oui, donc, on se retrouvera pour la suite, l'évolution, tout ça, tout ça. J'ai hâte. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées. Et je vous dis à très vite. J'ai tellement hâte de tout vous montrer. Ciao.